Je me rappelle de tes mots au départ où tu parlais de voyage initiatique. Alors ma première question c'est celle-ci, est-ce que tu as rapporté un certain nombre des choses que tu étais parti rechercher durant ce voyage? Ah oui, j'ai ramené tant de choses qu'il va falloir que je fasse un inventaire parce que j'ai vécu en 3 mois peut-être ce qu'on vit en 10 ou 15 ans à terre. Dans la vie, on est sollicité par des soucis ou on a besoin d'être créatif par quelques petits moments dans la vie comme ça. Et sur un Vendée Globe, je vais pas être marseillais en disant que c'est quasiment quotidien. Tous les jours, on a un problème et tous les jours, il faut trouver une solution pour le régler. Tous les jours, on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc on a des nouvelles expériences. Tous les jours, on voit quelque chose de nouveau. Tous les jours, on découvre une nouvelle facette de sa personnalité. Donc j'ai ramené de la force. J'ai ramené plein d'antidotes contre la peur, ce qui peut servir dans la vie de tous les jours. J'ai ramené de l'envie, j'ai ramené une force créatrice en moi énorme. J'ai l'impression que la vie avant c'était comme ça, en termes de vision, et maintenant c'est à 360. C'est ce Vendée Globe, oui, je ne sais pas comment, dans quelle direction, mais il a changé ma vie. Après, j'arrête de parler, c'est trop vite. Juste un dernier mot final pour remercier l'organisation du Vendée Globe. Quel événement incroyable. Vous êtes vraiment des champions et des championnes. Merci. Vous avez une perle entre les doigts et vous savez vraiment la mettre en valeur. Donc bravo. Vous êtes une super équipe. Et merci. Merci aussi à la direction de course. Jaco, merci d'avoir veillé sur moi. Si tu veux pas savoir comme c'était avec ton équipe de gars, de savoir que vous aviez les yeux rivés sur nous et surtout pour le coup de main un peu psychologique dans la dernière dep, vraiment merci du fond du cœur. Super, merci.